Bonsoir à tous et à toutes. Donc là, on est le soir de la même journée où j'ai mis la vidéo concernant les boîtes de conserve. Le matin, c'est le café. Le soir, c'est autre chose. Et c'est une chaîne, ma chaîne, elle est en train de se transformer provisoirement, rassurez-vous, en chaîne culinaire. Bon, bah, c'est comme ça, hein, puisqu'on est tous, je répète, on est tous bloqués à la maison. Appartement, maison, peu importe. On est tous pareils. On est en train de faire des recettes. Pardon. On est en train de faire des recettes de cuisine. On est en train de s'occuper, en fin de compte. Et la cuisine, bah, c'est une façon de passer le temps et de réapprendre à cuisiner, de faire plaisir à sa famille, aux enfants, de même leur apprendre à cuisiner, c'est important. Et oui, je vous montre les pommes de terre. Parce qu'il y a une question qui m'a été posée. Là, par contre, il faut que je mette mes lunettes. Parce que si j'ai pas de lunettes, je vais rien voir du tout. Oui, je vois les pommes de terre, ça y est. Donc les pommes de terre, elles sont au fond de la. Vous voyez, je vous avais parlé des matériaux qui peuvent passer au micro-ondes où vous ne risquez rien, absolument rien au niveau de la santé. Eh bien, je savais le nom il y a 5 minutes. Ah, mais il faut pas vieillir. Ah! C'est dur, c'est chaud quand c'est chaud, et froid quand c'est froid. Il y a une poignée amovible. Ça, j'aime bien ce genre de casserole, de matériel de cuisine, parce que c'est très pratique, cette poignée-là. Voilà, toc, on ferme. J'en ai plusieurs modèles, différentes tailles. Donc, c'est très bien. Franchement, c'est très bien. C'est ce que j'ai pris pour remplacer mes tupperwares, mais bon, tout ce qui est en plastique. Hein. Ça, c'est fini. Ce genre de matériau, le plastique, il va dans le congélateur, ça risque rien, au froid, ou dans le réfrigérateur pour conserver des aliments. Et c'est tout. Je m'en sers absolument pas pour mettre au micro-ondes. Je vous expliquais que c'est très dangereux. Et ça vient pas de ma science. Hein. Donc, j'ai cuit 3 pommes de terre. Je reviens dans le micro-ondes pour vous montrer un petit peu ce micro-ondes. Parce que de toute façon, il y a plein de chaînes culinaires sur YouTube spécialisées dans le domaine. Ce n'est pas le but pour moi de faire une chaîne culinaire, mais bon, il faut bien que je partage un petit peu mon quotidien. Voilà. Donc vous avez vu l'heure qu'il est, 19h25. C'est un micro-ondes donc de 28 litres. De marque oui, Continental Edison, et il est très bien, très bien. 28 litres, donc chaleur tournante, il fait grille, convection classique, micro-ondes de différentes puissances. Intérieur, ah, je suis en train de je sais pas ce que je suis en train de faire, je suis en train de vendre mon micro-ondes. Intérieur inox avec une belle ampoule sur le côté, avec un plateau tournant et l'axe au milieu, le petit axe en plastique que vous voyez peut-être pas, si se retire pour permettre au plateau de ne plus tourner. Il n'est pas débrayable en commande directement sur le tableau de bord. Non, malheureusement, mais ça je m'en sers pas. Je fais toujours tourner le plateau. C'est rare que j'utilise mes plats beaucoup plus grands qui tiennent. Et pour moi tout seul, je n'ai pas besoin de faire quelque chose d'énorme pour la cuisine. Donc du coup, ça reste toujours tournant. Voilà. Pour les pommes de terre, donc il y a un programme, je vous ai expliqué aussitôt au commentaire. Il y a un programme qui permet justement la cuisson des pommes de terre sans eau. Ici, pizza et patato. Bah oui, c'est anglais. Patato, pommes de terre. Si je clique dessus, avec différents, il y a 3 programmes de cuisson, du plus long au plus court. D'ailleurs, pour des pommes de terre comme il y a là, il y en a 3 assez grosses, je mets 2. Sur 2, ça équivaut à 8 minutes et quelque chose, à peine 9 minutes. C'est très bien. Donc j'annule. Je retire ça. C'est froid, mais je montre.
Ça nous fait faire des sacrés trucs, la pandémie. Hein. C'est vrai. Ça, c'est pas banal, ça. J'ai une Zoé, je suis en train de parler d'un micro-ondes. Ça reste électrique, on dirait. Oui, c'est vrai. Donc ça, ces pommes de terre là se refroidissent assez rapidement. Je le sens d'ailleurs quand je prends le récipient. On va poser la question aussi, est-ce que j'épluche les pommes de terre? Jamais. Jamais je n'épluche les pommes de terre. Je mange les pommes de terre avec la peau. Elles sont lavées préalablement, bien entendu. À preuve du contraire, je vois pas où est le problème. Ce ne sont pas des pommes de terre de mauvaise qualité. De toute façon, on ne sait pas trop ce qu'on se retrouve avec les pommes. Au niveau de la production agricole, pour les pommes de terre, ça demande aussi de l'entretien. C'est l'entretien par matériel. Moi, je sais que, j'ai fait quand même des pommes de terre, donc je sais ce que c'est, à titre personnel. Hein. Je l'avais quand même plus de 120 pieds. Quand vous avez 120 pieds, vous ne pouvez pas vous permettre de le faire à la main. Il faut du matériel. Et surtout, il faut s'amuser à écraser les doryphores à la main. Si vous voulez avoir des pommes de terre qui restent biologiques, si on met du pesticide, un produit qui détruit les doryphores, qui les tue, automatiquement le produit rentre dans la pomme de terre. Mais de toute façon, il ne faut pas se leurrer, il faut traiter. Si on ne traite pas, c'est une contrainte, ça devient énorme. Et à titre individuel, je sais ce que c'est. J'imagine au niveau de culture énorme, de plusieurs hectares, il faut du traitement, il n'y a rien à faire. Le traitement, lui, il rentre en terre. Il est fait pour être normalement biodégradable. Et ça c'est qui le dit, en fin de compte, on n'en sait rien. Je pars du principe que la terre, de toute façon, la terre est contaminée depuis longtemps. Parce que qui dit pomme de terre dans une année, l'année suivante, ça ne sera pas des pommes de terre. Hein, on ne peut pas refaire deux fois la même chose. Donc ça va être une autre culture. Une culture, d'une autre plante. Après les pommes de terre, je ne sais pas ce qu'on peut planter, mais on plante autre chose. Donc du coup, ça va demander un autre traitement. Et la terre, on va reprendre une couche de ce traitement-là. Et ça rentre en terre. Ça rentre dans les nappes phréatiques. Ainsi de suite. C'est un cercle vicieux. On n'est pas dans le domaine du bio. Pas du tout. Et pourtant, ça pourrait. Pour ça, il faut faire un mélange de plantes sauvages qui vont éloigner les indésirables, hein, les insectes. Pour les pommes de terre, c'est un peu plus compliqué. Mais bon, il y a des possibilités de rendre la nature plus propre, plus belle. Et ramener un petit peu de vie aussi en même temps. Parce que si on ramène des plantes qui n'existent plus, du coup, ça va ramener des insectes qui vont ramener des oiseaux, qui vont ramener de la vie, la nature, tout simplement. Et ça se fait de plus en plus. Je vois en Espagne, il y a des fermes qui font du bio de plus en plus. Parce que malheureusement, l'Espagne paye le prix fort de la production intensive. Et du fait de la pandémie, on se rend compte que leur production intensive s'effondre un petit peu parce qu'il n'y a plus de personnel pour travailler dans les cultures. Là-bas, ils sont fortement touchés par la pandémie, malheureusement. Et ça fait que leur culture, elle dort en quelque sorte. Et par contre, c'est au bénéfice des producteurs français, qui, eux, ne pouvaient pas s'aligner au niveau des prix espagnols. Ah, ça, c'est fou, hein, le marché, comment il fonctionne. Et ils font du bio, les Espagnols, de plus en plus. Tant mieux. En Allemagne, par exemple, si je fais du pain à la machine à pain, le blé vient d'Allemagne, en bio. C'est du blé bio. Là, il n'y a pas de traitement chimique. Pourquoi il ne viendrait pas de France? Pourquoi qu'en France, on n'est pas capable de faire du blé bio? Le plus gros producteur européen n'est pas capable de faire du blé bio. Ça, qu'on me raconte, qu'on me dise un peu pourquoi. Qu'est-ce qui l'empêche? S'il faut commander... on ne commande pas, on l'achète chez Aldi. Et tous les paquets de blé bio, je regarde, ça vient d'Allemagne. Il n'y a rien qui vient de France. C'est quand même triste. Si on veut du blé français, il n'est pas bio. Donc il y a des pesticides, il y a des produits chimiques. Ça rentre dans notre organisme. Que j'épluche les pommes de terre,
ou que je mange quelque chose qui n'est pas bio, ça revient au même au final. Ça rentre dans notre corps, ça finit par s'accumuler. Bon, ben voilà, hein, c'est tout. Vous avez mon micro-ondes, il est beau. Hein. Voilà, je vous remercie et je vous dis à bientôt.